Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul du mois de mai. Je vous retrouve comme chaque fin de mois pour vous faire mon haul du mois qui s'est écoulé et ce mois-ci, malgré le fait que je sois partie plus de 15 jours au Japon et que je sois rentrée il y a seulement 3 jours, eh ben il y a beaucoup de mangas dans ce haul. D'une part parce que j'ai reçu beaucoup de mangas de services de presse aux alentours de 40-45. Quand je suis rentrée du Japon, j'avais plus de 30 tomes dans ma boîte aux lettres. Enfin, pas dans ma boîte aux lettres parce que ça rentre pas dans ma boîte aux lettres, mais il y a des gens qui relevaient mon courrier. Et du coup, eh ben j'avais plus de 30 mangas et c'était genre Noël. C'était trop bien, c'était trop gentil. Et puis de mon côté, bah, j'ai pas été très raisonnable, j'ai acheté beaucoup de mangas avant de partir et en fait j'en ai acheté pas mal parce que j'avais envie d'emmener des mangas au Japon pour faire des photos, pour faire des posts assez sympas. Oui, je me trouve clairement des excuses et en plus eh ben, ces posts je les ai pas fait parce qu'en fait j'avais envie de profiter du Japon et donc j'ai fait pas mal de stories sur les visites etc. que je faisais, mais pas beaucoup de posts de mangas. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, ben je vous invite à le faire. Oui, je fais ma petite auto-promo, je fais ma youtubeuse, mais sur Instagram, je poste quand même beaucoup de choses. Je poste quasiment tous les jours, sauf quand je suis au Japon. Et ben, j'ai aussi posté pas mal de stories de mon voyage qui sont encore accessibles en story à la une. Donc si ça vous intéresse, et ben, n'hésitez pas à aller me suivre. Je referme ici ma parenthèse sur Instagram et je vous laisse tout de suite avec le haul.
Je pense que vous commencez à avoir l'habitude du fait que je ne suis pas quelqu'un de raisonnable et qu'il y a beaucoup beaucoup de mangas dans mes halls, et ce mois-ci, eh ben, ne coupe pas la règle malgré le voyage au Japon. Mais moi, ce mois-ci, je m'étais dit que j'allais être raisonnable, je m'étais dit je pars au Japon, je ne vais pas avoir le temps d'acheter, et en fait, eh ben non, j'ai pas été raisonnable quand même, c'est vraiment une catastrophe. Même quand je suis pas là, je trouve le moyen d'acheter des mangas, c'est un truc de fou. Comme vous l'avez vu aussi, il y a beaucoup de mangas que j'ai pas lu, puisque en fait, eh ben, je suis rentrée seulement il y a 3 jours, et donc déjà les 30 mangas que j'avais reçus, j'ai pas trop eu le temps de les lire, et c'est pareil pour avant. J'ai pas eu trop le temps de lire ce que j'avais acheté, donc il y a beaucoup de mangas qui sont dans ma pile à lire que je vais essayer de lire en juin. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si vous avez envie d'avoir mon avis, je le mettrai a posteriori quand j'aurai lu les tomes si c'est pas le cas. Et puis voilà, je suis très fatiguée, donc je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Je vais de ce pas aller la monter et puis après aller me coucher. J'espère que ça vous aura quand même plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.